Salut monsieur, un peu avant. Pour ceux qui veulent regarder la machine, je sais qu'il y aura des questions. Je vous mets le lien en description, elle est dispo sur Amazon normalement. Pas très cher, donc allez voir, elle est vraiment top. C'est du 10. C'est comme un cadeau de Noël. Hop, une étape de fait. Plus qu'à graisser le bib. Enfin, le regresser, le monter dans, dans le pneu, puis monter le pneu. Vas-y, vas-y. Mets-en un peu partout, par contre. Mais je vais étaler. Ça, c'est la graisse. Une des pires graisses au monde, je pense. C'est bon ? Incroyable. Ouais, avec la graisse à fil. Après, il y a les graisses marines, je crois. Mais... C'est bon ? Ouais, vas-y. Ah ! C'est bon. Donc, la technique, c'est que tu t'assois dessus. Voilà. En fait, le fait de t'asseoir dessus, ça va ouvrir voilà, le pneu. Comme vous voyez, ah, ça fait le passer dedans. Et le pli à l'intérieur, ce sera pour toi. Voilà. Vas-y. Ok, c'est bon, on va pouvoir remonter. Et ben là. Là, il a sorti le guidon. Tout ce qui va bien, la cabine. Dans la ligne droite, tu montes au plateau. Ouais, ouais, vas-y. Le fil rack. Je présente mon nouveau casque. Oh là là, il est incroyable. J'ai fait la présentation sur Insta. Et voilà, donc un Alpina Star, le Super Tech M10. Il est juste incroyable. Bon, vous le verrez maintenant en vidéo. Et ça fait plaisir. Il va aller super bien avec la petite tenue noire et blanche. Okay. Autour de la demi. Hop. Mais avant, on va ouvrir ce petit colis. Bon, je vous fais pas de suspense. Il vient de chez 24MX. Vas-y, ouvre. Mouah. Machallah. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, donc ça, c'est des gants. Ça, ça va me servir vraiment beaucoup. Hop, regardez. Hop, des bons petits gants, là, pour faire la mécanique quand on graisse les filtres, tout ça, c'est le top du top. Hop, ça, on met de côté. Vas-y, fais voir, on a quoi d'autre? On a de l'air. Il nous vend de l'air, super. Ah, là, on a des lubrifiants. On a du Racing Engine Park Cleaner. Ça, c'est incroyable si vous avez... les deux temps des fois ça barre un petit peu. Ça, ça va enlever toutes les graisses, la calamine, tout ce qui est un peu dur à faire partir et noir. Hop, qu'est-ce que c'est? Voilà, du liquide de refroidissement, j'en ai pris un petit peu aussi. Hop.
qu'est-ce qu'on a là? Et là, on vient avoir voilà, du jet cleaner. Donc ça, c'est aussi bien pour nettoyer les freins ou toute graisse qu'il y a sur la moto. C'est pareil, là. Normalement, ça devrait être du jet cleaner. Peut-être pas tout. Mais quand tu prends des promos là, des fois tu prends des gros packs et ça te fait un bon petit moment. Là c'est du all-in-one, donc en gros c'est du WD-40. Donc là je pense qu'on est paré, on va pouvoir faire la mécanique. Ça avance petit à petit. Ça avance bien par là. Par ici on a fini. Hop, l'étalage. Tu me dis là? Tu peux ralentir un peu, je pense. Tu es presque. C'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, laisse-toi descendre, freine plus. Voilà. Là, il y a des côtes, mais tu connais, non? Ok, c'est bon. Faut que tu descendes là, sinon. Ou non, vas-y, c'est bon. C'est un truc ouf. Une fois que t'es passé par la trace du bas. Là, j'étais pas dans les tours en deux. Tu te cales et moi. J'étais pas dans les tours en deux avec l'embrayage, comme ça. Et après, je me suis en première. Tu commences à grippe un 4 temps, regarde. C'est un truc d'ouf. Thank you.
ma tête après une matinée à faire des photos pour le nouveau pull Vol Brigade. Donc voilà, il y en a même deux. Il y a deux pulls, un t-shirt. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une édition limitée. Donc voilà, je vous mets le lien comme d'habitude ici pour ceux qui sont chauds. Voilà, c'est limité en camo à l'ancienne. Ça va bien.